Après cette balade le long des canaux, nous sommes finalement sur la place des Merveilles, face au monument à Bartolomeo Celleoni. Nous entrons dans l'église Saint-Jean et Saint-Paul, le lieu officiel des sépultures des doges. C'est une église de style gothique en croix latine à trois nefs et cinq absides. Elle fut construite sur un terrain donné à l'ordre dominicain par le doge Jacopo Tiepolo. Pour voir l'exposition de Giovanni Bellini, et j'avais très peur qu'on me prenne ça. L'église est un véritable panthéon de mausolées, de sarcophages, œuvres des plus grands sculpteurs de l'époque. Les sépultures comportent des bas-reliefs, des ciselures de style gothique et renaissant. Parmi les œuvres d'artistes célèbres, le Polyptyque de Saint-Vincent Ferrer de Bellini. Dans la chapelle del Rosario, une œuvre de Véronèse, l'Annonciation et la Crucifixion du Tintoret. Le plafond est une copie du Martyr de Saint-Pierre par Le Titien. C'est l'œuvre la plus précieuse de l'Église. Thank you.
statues ont été élevées à la même période, nous sommes fin 14e, début 15e, c'est-à-dire le Gattabelata à Padoue et le Colleone à Venise. Alors, qui est le Colleone? Qui est le Gattabelata? Ce sont deux commandants en chef de nos armées. Le Gattabelata a été fait par le Donatello, notre Colleone a été fait par le Verrocchio, qui est l'élève de Léonard de Vinci. Ils mettront 50 ans à faire la statue équestre. Simplement que la statue équestre, elle ne sera pas mise à Saint-Marc. Elle est mise devant l'école de Saint-Marc. C'est toujours Saint-Marc. On avait...